Bonjour tout le monde, ici Manon Daniel et bienvenue au 20e épisode de Planet Coaster. On est rendu dans notre parc, notre super beau parc où il y a plein de neige un petit peu partout. Puis ça c'est de ma faute, c'est pendant le live, c'est vraiment qu'il live, allez regarder la rediffusion du live, pardon, je parle beaucoup trop vite. C'est à cause du live, ça a été fait pendant le live. Si vous avez manqué le live, allez écouter la rediffusion du live. Ça c'est tous les mots qui essayaient de sortir de ma bouche en même temps là. Mais c'est parce qu'on a commencé le jeu avec différentes nouvelles peintures. Donc tout ce qui était roche avant, eh bien, qui était ici comme roche, eh bien c'est maintenant rendu de la neige. Mais c'est correct, on va pas essayer de réparer ça tout de suite. On va dire que notre parc c'est toujours un work in progress. Et puis on va pas tenter ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, comme vous avez peut-être deviné avec le nom du vidéo, c'est qu'on va créer un métro pour notre parc. Donc si on avait essayé de tenter de faire un monorail, il est bien le fun le monorail, il va, tu sais, il se rend d'un bord à l'autre du parc, mais je trouve qu'il est dans le chemin. Je trouve vraiment qu'il est dans le chemin. Je trouve que c'est pas beau. C'est pas beau. Il y a comme une affaire là qui fait tout le chemin dans les airs puis tout là. Donc ce que je veux faire, c'est je veux le cacher, je veux le mettre souterrain. On a une station ici. On va avoir dans le milieu de notre parc ici, on va avoir deux stations, une qui s'en va par là-bas, puis une qui s'en vient par de même. Puis pour ça, on va avoir une dernière station souterraine ici. On va se bâtir un méchant beau métro, vous allez voir, ça va être super joli. Et puis, on va être fiers de ça. Puis en même temps, on va parler un petit peu de choses un petit peu sérieuses aujourd'hui. Là, je viens de détruire l'ancien chose. Donc, je pense mettre la station ici. La musique, c'est là, t'es un petit peu intense, là. Un petit peu beaucoup intense, là. Toi, ici, là. Toi. Ouais, c'est où la musique là-dedans, pour l'amour du ciel? Ici. La musique, c'est dans la peinture. No music, s'il vous plaît, ok? Je sais pas pourquoi la musique, c'est dans la peinture, là, mais ça me joue fort dans les oreilles. Je sais pas si c'est fort pour vous, là. Ben, c'est super fort. En passant, je sais pas si vous étiez au courant, ça fait longtemps qu'on avait bâti l'agence spatiale, mon oncle, ici, on avait mis trois genres de manège espace, entre guillemets. J'adore l'effet du vert avec l'orange. Je trouve que ça fait vraiment espace. Donc, on va peut-être vouloir revenir ici puis peinturer, rendre ça un petit peu plus espace la neige. Je trouve que ça fait un petit peu drôle. Peut-être avec un petit peu de neige puis du vert puis juste la frontière ici, la bordure entre le vert puis l'orange. Ça fait vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, pour tout de suite, ici, c'est où ce que je vais mettre ma première station sous terre. Non, sur terre, pardon. Donc, c'est là où ce qu'on va la mettre. On va commencer avec ça. Et puis, on va commencer juste en aplatissant ici un petit peu. Merde, c'est un petit peu trop. Je vais aplatir de la même hauteur que ça. Parfait. Parfait. On va enlever toute cette roche-là. Ici de même. Donc ça ici, ça va être notre station. Je devine qu'on va arriver de même. Les gens vont embarquer, puis après ça, ils vont partir comme ça. Donc, toi ici de même. Peut-être qu'ils vont arriver dans l'autre direction, je sais pas. Est-ce qu'ils devraient conduire à gauche ou à droite? On devrait faire comme des rues, hein, ils devraient conduire à droite. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va avoir ici Track Ride, Custom, Monorail. Je sais, mon jeu est en anglais, je l'ai pas changé encore, je suis juste lâche. Pardonnez-moi, là. Je suis large de même, on va arranger ça là, n'ayez pas peur. On va voir ici, on va faire que notre entrée soit pas à la même place, le même bord que notre sortie. On va faire que l'entrée soit là, puis la sortie soit la même. Donc comme ça les gens ils sortent, attends un petit peu. Il s'en va dans quelle direction lui là? Je veux que mon entrée soit à droite. Est-ce que mon entrée est à droite? Je pense que oui, ok. Parfait, donc on va venir te mettre de même ici. Petite station, puis c'est correct parce qu'on va avoir 4 monorails, donc on devrait être bien correct avec ça. Toi ici... Enlève l'auto-tunnel pour tout de suite parce que tu n'as pas de besoin là. T'as pas besoin de creuser un tunnel, mais tourne. Et puis après ça, on s'en va par là-bas. On s'en va bâtir un métro dans Planet Coasters. Ça devrait être super le fun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va peut-être laid. Ça se peut très bien que ce soit laid. Je prends aucune responsabilité pour comment laid que c'est. je suis pas responsable pour la laideur de ce qu'on est en train de bâtir, mais je pense que ça va être bien grec. Donc là, ici, on va se mettre à zéro. Et puis on va partir. Puis là, je suis en train de penser. On va peut-être monter un petit peu parce qu'autrement ça va être... Ah oui, puis il y en a un qui va aller de ce bord-là de la rue, puis l'autre qui va revenir de ce bord-ci de la rue. Ok, puis ça a l'air comme si on va conduire à gauche, pour quelque raison. Mais ouais, on va monter dans les airs, parce que ce serait bien plus le fun pour les gens qui vont marcher sous terre, s'ils n'ont pas besoin de marcher autant. Donc on va laisser monter autant qu'il peut, sans... Ah, ok, j'étais pour dire sans creuser, mais là ça a l'air comme si... Ou sans percer, mais ça a l'air comme si il me dit qu'il peut pas aller plus loin que ça, puis on va aller de même. Ah, parfait, juste comme ça, puis là, si tu peux juste aller tout droit, s'il vous plaît. Comme on est en train de faire ça, parlons un petit peu de la chaîne, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre avis. En fait, parlons un petit peu de ça, là. Je suis en train d'avoir une genre de mini-crise de chaîne. Ça fait 4 ans que la chaîne Mon Oncle Joue existe. Pour quelque raison, je peux pas bâtir à mon oreille ici. C'est quoi le problème? Comme sérieux, c'est quoi le problème, là? Je comprends vraiment pas ce qu'est le problème. Ok. Peut-être que c'est parce que la rue, là? Je suis en train de changer de sol.
Je suis pas en train de changer le sol pourtant. Étrange. Bien étrange. Donc, ouais, ça fait... C'est environ ici qu'on va mettre notre station aussi. Ça fait 4 ans que la chaîne, elle existe. Mon oncle joue. 5 ans que la chaîne, mon oncle Daniel existe. On s'est amusé. J'ai plus de 550 vidéos à ce point-ci, je pense, qui ont été téléchargées sur YouTube. C'est malade. Dont la moitié, ce sont des jeux de montagne russe. Je peux pas mettre une station sous terre? Tu me niaises, là? Pourquoi tu laisses pas mettre une station sous terre? Laisse-moi mettre une station sous terre. Pourquoi est-ce qu'il me laisse pas mettre une station sous terre? Et puis, comme on va aller découvrir c'est quoi le problème avec la station sous terre, j'ai besoin de votre avis parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais quand je fais mes vidéos, c'est que j'essaie de faire des choses que moi je trouve intéressant. Puis après ça, je me croise les doigts et j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Ce que je suis en train de découvrir par contre, c'est que l'algorithme YouTube, et oui, on va parler un petit peu d'algorithme YouTube, il semble penser que la seule chose que vous aimez, c'est des montagnes russes. Ou peut-être que c'est vraiment ça, peut-être que vous, la seule chose que vous aimez, c'est les montagnes russes. Mais je sais pas, après 4 ans, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que mon oncle joue, c'est juste devenu une chaîne de montagnes russes? Peut-être que c'est ça la question que je pose, peut-être que c'est ça que je me demande. Puis peut-être que je me demande aussi, c'est pourquoi toi t'es pas en train de faire un autotunnel pour ça? Il me semble que ça serait super simple, tu pourrais juste faire un autotunnel pour ça. Wow! On est dans la matrice. Ok, tout droit, tout droit, tout droit. Recule, recule, recule. Donne-moi une station. C'est quoi le problème? Ça fonctionne! Je me sens comme si je suis perdu. Hello! Je me sens comme si j'ai été enneigé. Ok, attends un petit peu. Je suis pas mal certain que je peux faire une station souterraine. Faut juste que j'aplatisse un petit peu, là. C'est tout, là. Donc, aplatissons et continuons à parler de ça. Ouh! Ça fait super cool. Check ça! Wow! Ok, jusque là de même. Une belle station souterraine. Ok. Toi. Bâtir. Station. Comme ça. Hey! Excellent! Excellent, excellent. C'est vraiment cool qu'on peut faire ça. Ok, puis t'es juste assez longue, parfait. C'est vraiment, vraiment cool. Ok, comme ça. Pardon, là, je suis en train de devenir un petit enfant. Et voilà, continuons. Donc, ouais, est-ce que... Faut que je sorte d'ici, là, parce que je sais pas où est-ce qu'on est rendu, je sais pas où est la fin du parc. Est-ce que... Faut que je retourne jusqu'à là-bas pour sortir d'ici. À moins que... Je fais que créer une genre de... Il y a déjà quelqu'un ici. Pauvre toi, tu vas te retrouver à travailler sous terre toute ta vie. Ok. On va monter dans les airs, juste comme ça je peux sortir dehors, là. Ah non, tu me laisses même pas sortir dehors. Je vois rien! Je suis tout mélangé. Ok. Ben d'abord. On va continuer à aller tout droit là-bas. Puis je vais ressortir par là-bas, comme ça on peut voir où qu'on est. Donc, ouais! La chaîne, est-ce que c'est vraiment juste une chaîne de montagnes russes? Ce que je veux vraiment savoir, en fait, c'est quoi que vous aimez? C'est qu'est-ce que vous aimez? J'essaie de rendre les choses différentes. J'essaie de faire des choses différentes. Il y a City Skyline, on est en train de s'amuser en ce moment avec Transport Fever. J'essaie de faire des affaires que moi, je trouve super la fun, comme Sherlock Holmes, que franchement, les gens qui ont écouté cette série-là ont adoré. Ils se demandent quand la prochaine. Malheureusement, j'ai déjà fini de jouer le jeu, donc je peux pas vraiment jouer sans... Je peux pas enregistrer sans connaître déjà c'est quoi les résultats des autres crimes. Je pensais pas qu'il y aurait tant de gens qui étaient pour aimer ça tant que ça. Mais ouais, je fais ces genres de choses-là parce que j'essaye de rendre ça intéressant pour vous. Mais il n'y a pas grand gens qui écoutent ces genres de vidéos-là. Puis après 500 vidéos, je suis en train de me demander est-ce que c'est YouTube qui vous montre pas ces vidéos-là ou est-ce que c'est vous qui aimez vraiment pas ça? Et puis je veux que vous soyez honnête. Je veux que vous soyez honnête dans les commentaires. Si c'est vraiment vous qui aimez pas ce genre de vidéo-là, si vous venez juste pour des montagnes russes, c'est juste ça que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Là. J'aimerais mieux le savoir, parce que je veux savoir où concentrer mon temps et mes efforts. Et puis, si ce genre de vidéo-là, c'est pas les genres de vidéos que vous aimez, puis vous voulez juste avoir des affaires de montagnes russes, ben peut-être qu'on pourrait juste faire ça. Je serais un petit peu déçu, je vais l'admettre, parce que j'aimerais... faire autre chose que je sais. À un moment donné, quand tu bâtis des montagnes russes, là, tu commences à devenir pas écœuré, mais c'est juste que tu n'as plus d'idées. T'as plus d'idée exactement quoi faire parce que t'as fait toutes les différentes itérations de montagnes russes que tu pensais possible. Donc ici... Pardon, là, je vais arrêter de parler un petit peu ici, là. Juste pour faire... Ici, ça va être tout ce que je vais mettre, ma deuxième station. Je vais, pour le moment, juste laisser une petite section droite, puis après ça, on va revenir bâtir... Ah ah! Voyons! Merde, la station. Puis là, ici, j'espère pas que je vais avoir des problèmes avec l'eau. En fait, je vais peut-être juste courber à l'entour du petit lac. Au lieu de me retrouver à creuser dedans. Parce que je veux pas avoir des problèmes. Comme ça, s'il vous plaît. Et... Oh mon dieu! Ah, oh, ok, ça c'est mon oreille qui était là. Oh! Je pensais que j'avais détruit un manège de quelque sorte. Ok, comme ça. Et puis là, ici, on va aller tout droit.
Et puis continuer. Ouais, donc je veux que vous soyez honnête avec moi. Je veux pas que vous ayez peur d'être honnête. Si vous avez peur d'être critiqué ou ce genre de choses-là. Premièrement, si vous êtes. S'il y a des gens qui disent des choses dans les commentaires que vous êtes pas d'accord pour les insulter, relaxez là. Hey, on était des adultes ici là. On va pas commencer à faire ça. Mais deuxièmement, si vous êtes vraiment gêné ou quelque chose de même, envoyez-moi un message, un courriel, ce genre de choses-là. Les gens vont vous laisser tranquille si vous faites ça, je vous le promets. Je veux pas rire de vous non plus, mais je veux vraiment comprendre mon audience. Je veux comprendre vous, je veux comprendre la chaîne. Et quelque chose que j'aimerais faire avec la chaîne, ce serait de bâtir une communauté. C'est la raison pourquoi on a bâti le serveur, mon oncle, ce genre de choses-là. Parce que, quand même, il y en a 4000 d'entre vous qui écoutent cette vidéo-ci. Je sais pas pourquoi ça avance si lentement, cette construction-ci. Là. Il manque la moitié de mes clics. Je suis pas en train de prendre le temps pour parler. Là. C'est vraiment qu'il est slow un petit peu. Là. Pardonnez-moi, je sais pas pourquoi il est slow de même, mais il est slow. Là, ici, on va juste revenir ici. Et puis, on va aller jusque-là. Donc, ouais, j'aimerais ça bâtir une petite communauté où ce que tout le monde, si on s'amuse ensemble, on s'amuse à jouer des jeux, puis tout. Puis, j'aimerais ça que vous ayez la chance de dire c'est quoi qu'on fait là-dedans. Si on est pour faire une communauté, je veux aussi savoir c'est quoi que vous aimez en tant que membre de la communauté. Ça fait-tu du sens? J'espère que ça fait du sens. Aussi, je sais que en français propre, on n'est pas supposé dire est-ce que ça fait du sens, on est supposé dire est-ce que ça a du sens. Pardonnez-moi, vous d'entre vous qui parlez bien français, mais vous comprenez c'est quoi que j'essaie de dire, n'est-ce pas? Je pense que vous comprenez très bien. Et puis, ouais, j'ai hâte de voir c'est quoi les réponses. J'ai hâte de voir c'est quoi vos commentaires, c'est quoi les résultats pis tout. Si vous avez à dire, c'est ici. Parfois, quand je pose cette question-là, il y en a qui disent « Continue comme ce que tu fais. » Et puis, si vous allez dire ça, ça va être super. Merde, je sais pas où ce que va être ma station. Ça va être super. On va essayer de trouver ça, là. Où ce que va être la station. Mais en même temps, un petit peu, on va venir ici. Oh boy. Oh boy, ça va être long. Ok, donc laissez-moi dire qu'est-ce que j'ai à dire, comme on est en train de se rendre à l'autre station. Là. Donc, ouais, si ce que je fais en ce moment, c'est ce que vous aimez, vous pouvez dire ça dans les commentaires, mais donnez un petit peu plus d'informations aussi. Genre, c'est quoi? C'est-tu les manèges? C'est-tu les montagnes russes? C'est-tu l'esthétique? C'est-tu la gestion? C'est-tu la simulation? C'est-tu les histoires? C'est-tu les jeux? C'est-tu mon accent? C'est-tu la façon que je parle? C'est-tu parce que je parle drôle que vous aimez ça m'écouter? Peut-être que je parle de des sujets intéressants. Je pense pas, parce que dans mon dernier vidéo... Mon dernier vidéo de Transport Tycoon, je parlais de macaroni au fromage. Mais peut-être que vous êtes un tapon d'amateur de macaroni au fromage. Ça se peut, je sais pas. C'est ça l'affaire, c'est juste, je sais pas. Et puis, j'aimerais ça le savoir. Et puis, je pourrais... Qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Viens ici, là. C'est ça ici que tu veux faire. Je pourrais faire un sondage. Même que ce serait peut-être une bonne idée, ça. On va faire un sondage. Je viens de décider qu'on va faire un sondage. Donc, checkez dans les commentaires. Si je peux, je mettrai dessus le petit « i », mais je suis pas certain que YouTube va me laisser mettre un petit « i ». Là, je suis en train de creuser pour essayer de trouver l'autre ligne. Là. Je devine qu'il était en perpendiculaire ici. Là, donc, je l'ai trouvé. Donc, c'est ici, ça va être notre autre station. On va faire comme les stations à Moscou. Les stations à Moscou, c'est deux lignes, puis la station est entre les deux lignes. Donc, ça fait des belles grosses stations. Putain, quelque chose de même. C'est super joli. Hein? Donc, ouais, on va faire un sondage, checker ça. Puis laissez-moi savoir. Je serais vraiment curieux à savoir. Ça m'a aidé. Ça va m'aider. Essayer de comprendre quelle sorte de vidéos que vous aimez écouter. Et puis aussi, en même temps, ça devrait aider la chaîne à essayer de faire ce genre du contenu que vous aimez plus. De l'autre bord, moi aussi, il faut que je figure quelque chose. J'adore que les lumières soient allumées là-dessus quand c'est la nuit. Je suis hyper occupé avec le travail. Donc, le plus d'informations que vous me donnez, le plus que je vais pouvoir concentrer mes efforts. Parce que là, je sais pas si vous remarquez, je suis en train d'enregistrer beaucoup d'affaires en avance. Je fais pas beaucoup de montage. Cette vidéo-ci va pas vraiment avoir beaucoup de montage. Parce que j'ai pas le temps, donc je suis en train de jouer avec l'idée de c'est une question de qualité ou une question de quantité. Je suis en train de réaliser que qualité pour moi, ça veut peut-être pas dire la même chose. J'aimerais vraiment, ce que j'aimerais faire, ce serait avoir dans genre des vidéos qui sont toutes super intéressantes, puis processées, puis avec une introduction qui est super folle, puis le fun, puis avec des affaires qui explosent, puis tout. Mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que vous aimez juste ça quand je parle. C'est vraiment ça, c'est étrange à dire. De ce que je comprends des commentaires en ce moment, ce que vous aimez plus de la chaîne, c'est m'écouter parler. Et puis, c'est le fun, mais après 500 vidéos, est-ce que j'ai encore des choses intéressantes à dire? Je ne sais pas. Je pense pas. Puis je veux pas non plus vous ennuyer. Donc, en tout cas, on va terminer avec ça. Là, je pense que c'était ici que je voulais mettre ma station. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires, comme je suis en train de bâtir ma dernière station de métro ici. Là, c'est quoi vous pensez de la chaîne? C'est quoi vous aimeriez voir sur la chaîne? Le plus spécifique que vous êtes, le mieux que c'est, j'aurais pas cliqué dessus le mauvais Moses de Python. C'est ce Python 7 que j'ai appuyé dessus. Oui, donc oui, le plus spécifique que vous pouvez être, le mieux que c'est. Le plus d'informations que vous pouvez me donner, le mieux que c'est. Et puis, n'ayez pas peur d'être
Oh! Ça a l'air comme si ça ici c'est la fin du parc. Je pense. Soit ça où j'ai bâti quelque chose ici. Ou j'ai trouvé des squelettes de dinosaures. Je peux-tu charger la terre à l'extérieur du parc? Ça c'est intéressant. Ah, il y a du monde qui sont super contents aussi. Donc peut-être que c'est pas là la station là-bas. Si ça ici c'est la fin du parc. Peut-être que la fin de la station. Peut-être que la station est ici. Ici ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, peut-être que c'est ici. Donc peut-être qu'on est juste en dessous de l'entrée ici en ce moment. Merde! Peut-être que j'ai créé une fausse entrée. Merde, 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 merde. Ou une fausse station. Merde, 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 merde. Ou peut-être que c'est... Je sais pas où est-ce qu'on est. Je sais pas où est-ce qu'on est! Merde! Je suis tout perdu! Attends un petit peu. Utilise tes oreilles, Daniel. J'entends de l'eau. Donc on est en dessous du domaine de la sorcière en ce moment. On va revenir par ici, là, puis où est-ce que j'ai fait ma patente tantôt, là, c'est là où est-ce qu'on va mettre la station. Ça va peut-être plus dur que ça. Oh boy, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc ouais, comme je suis en train de dire, comme je suis en train de terminer ici, là, laissez-moi savoir dans les commentaires, je serais bien curieux à savoir, je veux bien connaître. N'ayez pas peur d'être honnête. Si vous faites dire, mon oncle, j'adore ce que tu fais, continue, c'est super. Vous faites dire, mon oncle, j'haïs ce que tu fais, arrête, c'est super. Franchement, là... J'ai juste besoin d'un petit peu plus d'informations. J'ai besoin d'un petit peu plus d'informations. Et puis avec ça, j'espère pouvoir améliorer. Je veux dire, ce qu'on fait là depuis 5 ans, depuis 4 ans, c'est super la fun. C'est une expérience au début. Et puis, merde, pourquoi toi tu fonctionnes pas? Parce que t'es à l'extérieur de la station, hein? T'es à l'extérieur du parc? Ou c'est-tu parce que ici, Oh, non! Non! À moins que... Comme ça? Aha! J'ai trouvé une solution à mon problème. Par contre, toi ici, il faut que tu fasses de l'autre bord. Parce que si ça ici, c'est la fin du parc, ça va pas vraiment fonctionner. Donc, you le petit bonhomme, là. Pourquoi il y a pas de petit bonhomme? Ok, si je me mets de même, il faut que tout le monde embarque puis débarque à droite. Ok, il y a le petit bonhomme. Donc, toi, t'es à la bonne place. Parfait. Tout le monde va embarquer puis débarquer là. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Puis là, tu peux-tu juste... Ah, oh, mange la merde. Tu vas pas te connecter, toi, là? T'es en train de faire tout ça, là, pis tu vas même pas te connecter, là. Toi, comme ça. On est bon? Je pense qu'on est bon. Comment que je fais pour sortir d'ici? OK! Faut faire nos lignes d'attente pis tout, hein. Donc, c'est ici, c'était genre un genre de... C'est quoi cette grosse roche-là, là, qui est là, là? Ah, c'est super étrange, la texture de la neige, hein. On dirait du caramel. Pardon, là. Je suis tout... OK, toi. J'ai besoin de... Ok, donne... je sais pas t'es quelle station, 50... Wow! Ok, tu vas me porter aux bonnes stations. Ok, cool. Donc, entrance. Mon entrance, ça va être ici. Comme ça, je peux avoir ma ligne d'attente dans la courbe. Veux-tu juste te mettre dans le milieu, s'il te plaît? Comme... Voyons! C'est quoi la difficulté? Puis ma caméra aussi qui me fait chier, là. Ok, comme ça. Parfait. En fait... Attends un petit peu, là. L'entrance, ça va être dans le milieu du train. Drette là. La sortie, ça va être ici dans le milieu du train. Oh, c'est fort dans les oreilles, ça! Drette là. Et voilà, parfait. Connect train path, chose peut-être. Ouais. Ça, je vais-tu faire ça tout de suite? Non, je sais pas, là. Un petit peu, si je fais de même. Comme ça. Me semble, j'ai besoin d'une grosse ligne d'attente pour ça, là. Non? Oui? Me semble. On va bâtir ça. Donc, oui, ok. Je me sens comme si j'ai déjà terminé, mais je vais juste faire sûr que j'ai bel et bien dit tout ce que j'avais à dire à propos de la question que je vous demande. Donc, vous pouvez m'aider avec la chaîne. Je serais bien curieux à savoir parce que avec 4250 aujourd'hui, là, 4250 personnes qui sont abonnées à la chaîne, c'est beaucoup de gens ça. C'est 4000 personnes, c'est beaucoup de gens. Ça semble peut-être petit quand tu compares aux énormes gens qui sont sur YouTube, qui ont genre des centaines de millions. Attends un petit peu, non. Il y a pas personne sur YouTube qui a 100 millions. Je pense que c'est PewDiePie là, qui en a le plus, puis lui, il était quoi? Il était à comme 50 millions, quelque chose de même. Ok, donc pas des centaines de millions, mais des centaines de mille. Ça, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qui sont à 100 000. Ou des millions. Donc, on n'est pas là. On n'est pas là, bien évidemment. On est à 4 000. C'est pas énorme, énorme. Mais quand même, c'est quelque chose, je me dis... Je sais pas, je me sens... Ça, c'est pas rien de particulier. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ma tête qui me dit que la chaîne peut pas continuer comme elle est là. On peut pas juste continuer à faire des affaires de montagne russe. Parce qu'à un moment donné, ça va juste être une chaîne de montagne russe. C'est tout ce que ça va être. Puis à un moment donné, Planet Coaster, veut pas, ça, les gens vont arrêter de jouer. Puis là, quoi? Il va falloir que j'attende un autre 10 ans avant le prochain jeu de montagne russe? On va jouer sûrement à Parkitect, ce genre de choses-là, un petit peu. Mais à un moment donné, il faut trouver autre chose. Donc, c'est la raison pourquoi je vous pose la question aussi. Là. C'est que dans ma tête, il faut... Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais aller me connecter ici. Là. Pourquoi tu peux pas faire auto... tu peux pas faire auto avec un... Ah, je pensais que c'est pour faire auto-creuse avec un chemin. Ok,
Ok, attends un petit peu, on va aplatir toi, on va rapetisser ça, on va faire toi de même. S'il vous plaît. On va donner une petite place pour faire un beau petit chemin, comme ça, ça va être super beau. Toi ici, tu pourrais t'en aller, s'il vous plaît. Va-t'en. 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 Comme ça. Parfait. Ok, cool. Chemin. Et puis, j'ai besoin de ça. Ça. S'il vous plaît. Ok. Parfait. Va te toucher par terre. Oh, merde. Comme ça. Ok, là, faut que tu tournes par contre, là. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ah, si. Ah, c'est quoi le problème? Comme je sais, c'est crush, là. C'est bien évident que c'est crush, là. Pourquoi t'es pas capable de... Si tu as besoin d'un autre angle? Tu peux-tu juste tourner dans les airs? Pourquoi tu peux pas tourner dans les airs, là? Hein, c'est ça que je veux. Merci beaucoup. Et voilà. Yay! Ok, puis la sortie ici, maintenant. Toi, ici, on va peut-être juste te tasser un petit peu comme entrée, là. Faut attendre de même. Jusque-là. Et jusque-là. Je suis en train de marquer que le parc a l'air super vide, mais c'est parce que j'ai jamais augmenté le nombre de personnes que j'ai. On va faire un test. On va faire park management ici, là. Puis on va juste dire... on va enlever maximum guests. On va voir si ça descend. En ce moment, j'étais à 35 FPS. Pour vous qui écoutez pendant le live, j'ai eu une mise à jour à mon ordinateur. Ou pour vous qui écoutez, ça fait un petit bout, j'ai une mise à jour de mon ordinateur. Donc, ça devrait faire une petite différence. On va voir. On va voir si ça fait une petite différence. Toi ici de même, comme ça, comme ça. Donc j'espère que je suis clair dans ma question. J'espère que ça fait du sens ce que je vous demande. Je suis pas en train de dire, ça c'est bien important, je suis pas en train de dire que mon oncle joue, mon oncle Daniel, tout ça s'en va. C'est bien le contraire, je suis pas en train de dire ça, pas du tout. Mais je veux donner un petit peu plus de direction. Je veux vous impliquer un petit peu plus. Je veux vraiment essayer de bâtir une petite communauté où on s'amuse. Et puis pour ce faire, j'ai besoin d'être capable de voir la station. Et aussi, j'ai besoin d'être capable de, genre, savoir ce que vous aimez. Donc, ça a l'air comme si là, faut que je me rende sous terre. Merde. Ok, let's go. Pourquoi? Ça va être super long. Faut que je fasse tout ça, là. Attends un petit peu, là. On va faire ça. On va creuser à ciel ouvert, là. On peut voir c'est où, là. C'est direct, là. Même, je pourrais le bâtir ici de même, moi, là. Donc, je pourrais mettre toi, là, de même. Placer mon exit dessus le même bord. On va dire là, de même. Il y a le train direct par-dessus, ce qui est parfait. Ça, ici, ça va être comme une intersection. Et puis, là, ici, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un... faut que je creuse. Donc on fait un trou, ici, je suis en train de penser. J'essaie de penser ce serait où. Disons, juste ici. Je sais pas pourquoi quand tu creuses, ça fait de la neige. Attends, ok, toi t'es là, ce qui est parfait. Donc on va juste faire ça de même maintenant, puis on va faire toi de même, puis on va te tirer jusque là de même. Et voilà, donc ça ici c'est notre bouche de métro. On peut voir, c'est super joli. Et puis, chemins. On va prendre ce genre de chemin-là. Et puis comme ça, et puis comme ça. Puis là ici, toi, il faut que tu montes, mais j'aimerais ça que tu courbes en montant. Donc, curved slopes, et puis, merde. C'est juste pas assez grand, c'est ça? Ok, t'as un peu. Terrain, toi ici, on va t'agrandir juste un petit peu. On va l'agrandir autant qu'il faut, puis après ça, on va le ratisser pour que ce soit plus beau, parce que là, ça va avoir de la drôle. Il va avoir genre un gros trou de neige ici, là, qui est juste dans le milieu de nulle part. T'as toi de même. Ok, donc, toi maintenant, t'as un petit peu. Chemin, pattes. Toi. Désert. Curve de slopes. Comme ça, comme ça. Ok, là, ici, ça a l'air comme s'il y en a un autre problème encore. Toi, toi. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça comme ça. Faut tout qu'on peinture. Il va y avoir un épisode. Il va y avoir un épisode, je pense, parce que ça va juste être un accéléré de moi qui peinture tout. C'est la seule chose que je peux penser. Ok, faut que j'enlève Curved Slopes. On enlève ça, Curved Slopes. On raplate ici. Et puis là, il me semble que ce serait bien le fun si tu pourrais aller juste en ligne droite. Et puis comme ça. Et voilà, si tu veux aller au métro, ça c'est ton embouchure de métro. Donc là maintenant, si je rentre dans le trou... Et puis là, je peux juste faire une ligne. Ah, pas besoin d'être longue la ligne, là on est sous terre. Là. Je m'en fous carrément. Comment longue qu'elle est la ligne, mais... Ok, là, un petit peu. Là, comme ça. Hey, j'ai-tu assez hâte? J'ai hâte de voir s'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rentrer là-dedans. En passant, si vous regardez en bas à gauche, c'est peut-être écrit trop petit si vous êtes dessus un petit téléphone. Mais on est allé de 499 personnes à 1053, 1065, 1072, 1078, 1080. Mon Dieu, il y a du monde qui est... Un petit peu. Juste voir tout. Checkez ça, tout le monde qui rentre dans le parc! Vous allez tout ralentir! Vous allez tout ralentir, le parc! Arrêtez ça, là! On est déjà rendu seulement... On est allé de 35 FPS à 18. Oh non! Oh non! Ok, ok, attends un petit peu. On a fait cette station-là. Recule. Prochaine station, c'est toi ici.
qui est drette en dessous. Mais drette en dessous de cette montagne russe-là. Ça, ça va être intéressant. Je pense que drette ici, on pourrait mettre... On pourrait mettre notre embouchure pour cette station-là. Donc, terrain, toi ici, creuse. J'espère qu'on va pas briser... J'espère qu'on va pas briser la montagne russe. Il est où, là, lui-là, là? Il me semble, on devrait le voir, là. Ah, le voilà. On va peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent pour celui-ci. Donc, toi ici de même. C'est quand même... On va peut-être juste le faire monter normalement. parce que sinon, si j'essaie de le faire courber, il va falloir que j'étire ça un petit peu trop, puis ça se peut que je sois pas capable. Parce que me semble qu'il y a des hauteurs maximum de ça. En fait, je veux pas briser le jeu, mais qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Ah, en fait, c'est... Ok, non, il est pas mal bon, le jeu, à s'adapter au changement de terrain. Franchement, là, il fait une méchante bonne job. Ok, donc on va voir ici, place entrance. Notre entrance, on va la mettre au début, comme ici. Parce que les deux, pour lui ici, il va être dans la même place. Place exit, l'exit, on va la mettre direct ici. Ok, connect entrance to path. Non, pas tout de suite, on va mettre un path. Toi, et puis on va descendre. Hop! Hello! Ok, on va voir, elle est où la sortie? Elle est ici. Oh merde, c'est pas du tout à la bonne place, ça. Comment qu'on fait ça? Ouais, on a des problèmes, t'as un petit peu. Toi ici. Et comme on est en train de parler de ça aussi, je devrais parler de genre de petites vidéos que j'aimerais faire. Comme par exemple, on s'amuse avec ces genres de vidéos-ci parce que c'est des vidéos de jeu. Quelle sorte de vidéos que j'aimerais faire? Laisse-moi... ouais, ça c'est une bonne idée. En continuant dans la deuxième moitié ici, là, quand je suis en train de bâtir cette station-ci, là, je vais partager des idées que j'ai en tête et puis vous me laissez savoir si c'est les pires idées au monde ou si c'est, des genres de c'est le genre de choses que vous aimeriez voir. C'est beaucoup des idées. Ben, c'est beaucoup des idées, c'est pas vrai. Il y a des jeux comme. Comment on appelle ça là C'est pas The Vanishing, parce que Vanishing c'était Ethan Carter, mais The Remnants of Edith Smith, qui semble être un jeu super intéressant, qui fait beaucoup penser à Vanishing of Ethan Carter. Genre de. Puis ça en passant, c'est un super de bon jeu aussi, super de bonne histoire. Donc je vois que des bonnes choses à propos de ce jeu là. C'est une histoire, c'est pas une simulation. C'est quelque chose qui serait super intéressant. Que moi j'aimerais bien gros essayer de jouer. Laissez-moi savoir si c'est le genre de choses que vous aimeriez voir. Quoi d'autre? Recule ici. Une genre de série que j'aimerais faire. Une genre de série que je trouverais super la fun à faire. Qui va demander beaucoup d'efforts par contre. Donc peut-être que je pourrais pas sortir des vidéos aussi souvent. Mais il me semble que ce serait drôle. Donc la série, laissez-moi vous compter ça. Ce serait l'idée de faire une genre de série qui fait des recherches sur des jeux qu'il y a sur Steam. Parce qu'on va s'entendre en ce moment sur Steam. Il y a beaucoup de jeux pour... Il y a beaucoup de jeux de merde, disons. Hein? Des jeux qui sont mauvais. Des jeux qui sont pas bons. Donc la série, en fait, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle ferait des tests. Pour voir est-ce que le jeu que je suis en train de tester, que vous pourriez suggérer, ou peut-être que je trouve sur Steam, c'est un jeu de merde ou non. Alors, ça serait une série qui serait super intéressante à faire, je pense. Ça serait intéressant de genre découvrir des nouveaux jeux, puis ensuite de les tester pour voir si c'est des bons jeux ou des mauvais jeux, puis tout ça. Puis après ça, ben aussi, ça serait une genre de revue. Quoi d'autre? Il y a des choses que j'aimerais faire, genre sur la chaîne de vlog, que me semble que ce serait super la fun. Il y en a un, c'était un album de musique de Koji. Ça sonne super niaiseux quand je le dis. Si vous savez pas c'est qui Koji, c'est mon chien. Mais ouais, un album de musique de Koji. Donc juste des chansons qui parlent de Koji, avec le nom à Koji, puis tout un petit peu partout. Comme j'avais fait, vous vous rappelez peut-être de l'album de Noël à un moment donné. Là. J'ai fait un album de Noël. Mon oncle chante Noël 2014, je pense, c'était, ou quelque chose de même, là. Donc, ce serait la même idée, mais au lieu d'être Noël, ce serait le chien. Ouais, je sais pas, ça sonne bien niaiseux, mais je trouve que c'est une idée qui me fait rire. Je sais pas pourquoi elle me fait rire, mais je trouve que c'est une idée qui me fait rire. Toi, tu veux pas du tout rien bâtir là, hein? Faut que tu montes par ce trou-là, toi, là. Où s'y aller? Une autre affaire que j'aimerais bien faire, ce serait une vidéo de traduction de mon oncle. Je sais que vous aimez beaucoup rire de mes accents pis tout. Donc, de mes accents, j'en ai vraiment seulement un, là. Et puis, ce serait genre, quand je dis des affaires comme « t'as un petit peu », c'est quoi ça veut dire? En fait, est-ce que vous savez c'est quoi ça veut dire, « t'as un petit peu »? Il y en a peut-être qui savent. En fait, c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous savez c'est quoi ça veut dire? Je serais honnêtement curieux à savoir c'est qui. Je vais pas le dire. Si vous le savez, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez. Si vous savez c'est quoi ça veut dire. Ça veut dire. Non, « t'as un petit peu ». Il y en a un autre! Oui, non, ok, je suis en train de me mélanger. Quelle sorte de vidéo ça va être, ça incite?
Ah, oh, mon dieu, je vous demande de me critiquer, puis je suis en train de vous faire la pire vidéo Let's Play au monde! Ah, recule ici, là, ok, on va continuer à partir de ça ici, comme on est en train de parler de... Donc, ouais, un genre de... Ah, c'est un genre de vidéo qui serait un genre de traduction de la façon que je parle, parce que je parle drôle, même il y en a parfois ici qui trouvent que je parle un petit peu drôle, parce que j'ai de la famille qui vient d'Estrie, puis tout, puis j'ai de la famille qui vient de la Gaspésie. J'ai pas personne dans ma famille qui vient du lac Saint-Jean, eux sont un petit peu difficiles à comprendre. J'ai pas personne dans ma famille qui vient du Nouveau-Brunswick. Les Acadiens aussi sont très difficiles à comprendre quand s'ils veulent. Mais quand même, ce serait cool. Un genre de dictionnaire où que, ben, si je dis ça, ça veut dire ça. Si je dis ci, ça veut dire ci. Ce serait un genre de vidéo qui serait super intéressant. Là, pardonnez-moi, là, j'ai la difficulté à faire ma... Tain, ok. Je sais même pas comment haut que je suis. Ma caméra est en train de tout bugger. Bon, voilà. Comme ça. Et comme ça. Ouh, va vraiment falloir que je fasse quelque chose à propos de ces embouchures-là. Yep. On va venir faire la dernière station. Donc, ouais, ça, c'est différentes idées. Ah, mon Dieu, check ça, tout ce monde-là. Puis le monde continue à rentrer. On est rendu à 2908 personnes. 2913, 2915. Ah, mon Dieu, est-ce que... Si je mets ma main par-dessus mon ordinateur, ça commence à chauffer. Oh non, c'est pas bon. OK. Ah, merde, j'ai oublié de faire les chemins. Attends un petit peu. OK. Revenir ici. On va descendre ici, on va faire ça. Ah ouais, avance là. Donc ouais, ça c'est différentes idées que j'ai, des idées bien niaiseuses, mais que je trouve qui seraient le fun. Des idées que je peux pas nécessairement faire en ce moment, parce que je suis tellement occupé à essayer de vous sortir un Planet Coaster par semaine, puis là en ce moment on est en train de faire la série de l'autre affaire, là, comment t'appelles ça, là, que j'oublie non, le Transport Fever, que je dois me concentrer là-dessus, parce que c'est sans question les vidéos qui sortent, ou qui pognent le plus de visionnement. Donc, si je peux comprendre c'est quoi vous aimez, si je peux comprendre si c'est vraiment ça que vous aimez ou si vous seriez prêt à genre écouter d'autres affaires, ben là je peux genre juste voir si je peux faire différentes expériences. Puis ensuite je peux essayer de concentrer mes expériences sur différentes choses. Donc j'espère que ça explique un petit peu c'est quoi j'essaie de comprendre, j'espère que ça explique un petit peu pourquoi je pose les questions que je pose. C'est pas parce que je veux fermer la chaîne, c'est pas parce que je veux faire quelque chose de drastique, c'est pas parce que je veux tout changer, mais c'est vraiment parce que je veux juste comprendre. Juste comprendre, puis s'il y a une place où ce que je peux changer, ça serait cool. Pour le mieux, quelque chose que vous aimeriez, ça serait cool, ça serait le fun. Parce que dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai l'impression que on peut pas continuer pour un autre 5 ans à juste être une chaîne de montagnes russes. Mais ça fait pas de sens dans ma tête. Ou ça a pas de sens, un des deux là. Soit ça fait pas de sens, ça a pas de sens, les deux même, on va dire. Ça l'a les deux. Ok, ça ici, là, Daniel. Là. Donc, ouais. Vos informations, vos réponses, vos commentaires seraient super appréciés. M'aideraient super beaucoup à comprendre. Et puis, ça va aider la chaîne. Et puis, ouais. Ouais, je serais curieux à savoir. Autrement, gardez un œil, différentes choses que je suis en train de penser faire côté communauté pour la chaîne. J'aimerais bien ça, essayer de bâtir la communauté un petit peu plus. Essayer de vous engager un petit peu plus. Il y a un train dans mes oreilles, puis c'est super fort. Puis j'ai de la difficulté à concentrer à cause du modus de train. Pas tant train. Ok, toi ici. Comme ça. Donc, ouais, gardez un œil ouvert pour ça, parce que j'aimerais bien ça faire ça. J'ai de la difficulté. J'ai besoin que tu ailles tout droit une fois, puis après ça, tu peux commencer à courber en montant. S'il vous plaît. On va juste venir ici. Pardonnez la caméra, là. J'ai autant de difficultés que vous, là, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, toi de même. Toi de même, puis là, à partir d'ici, on va faire un curve, voilà, slope. Et puis, on va te monter dans les airs, puis tu peux juste. Check ça. Oups. Oh oh! Ouais, hein? Vous êtes impressionné avec mon habileté de bâtir des marches, hein? Moi aussi, je suis pas mal. Oh mon dieu! 3700 personnes! Ça va s'arrêter quand? C'est quand qu'il va y avoir? Qu'à un moment donné, là, ça continue à rentrer. On est à 21. Je suis en train de garder le FPS à l'entour de 21. Si je regarde par en bas, je suis à 24. Donc, si je regarde pas les manèges, là, je suis à 25. Si je regarde pas les manèges, je suis bien. Si je regarde les manèges, on a des problèmes. Ok, toi de même. Recule ici. Oh, 15. Oh, si je regarde par là, c'est pas bon. Ok, faut pas que je regarde par ici, c'est trop. 17. 18. Hey, arrête de... Chut. Chut. Oh mon dieu, check la barbe, toi. Wow. Ok. Je peux entraîner de lui, il a une belle barbe. Je suis un petit peu jaloux de sa barbe. J'aimerais savoir une belle barbe comme ça. Et voilà. Ok. Je pense que toutes nos stations ont été connectées. On a un métro. Il va falloir qu'on fasse de la décoration pour le métro. Mais je pense que j'ai tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire aussi.
Ah, on va s'asseoir dans le métro? Ok, cool! Oh mon dieu, je peux plus de slip-ton. Pip, 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 pip. Et voyons voir de quoi ça a l'air, notre nouveau métro dans notre station! On rentre sous terre, allume les lumières, merci beaucoup. C'est vraiment étrange avec la neige, hein? Je suis en train de me demander, je sais pas pourquoi le jeu a arrêté, là. Je sais vraiment pas pourquoi le jeu a arrêté, là. Je suis en train de me demander si on devrait enlever la neige, ou si on devrait la garder. Si on enlèverait la neige, on mettrait des roches au lieu. Je sais vraiment pas. On arrive ici. Y a-tu du monde en ligne? Non, y a pas personne en ligne. Ok. Bonjour. Bonjour. Ding. Prochaine station. J'aurais besoin des noms de stations aussi. Hardy Carla. Bon, ben tiens, le nom de cette station-ci, c'était Hardy Carla. Je sais pas c'est quoi. Saviez-vous que dans le jeu, si je peux me permettre de partir sur une autre tangente, parce que ça a l'air d'être la seule chose que je fais aujourd'hui dans la vidéo, saviez-vous que dans le jeu, les gens qui ont bâti Planet Coaster ont créé une nouvelle langue séparée pour des gens qui parlent dans le jeu? Ils parlent pas anglais, ils parlent pas français, ils parlent pas allemand, ils parlent pas espagnol, ils parlent pas une vraie langue. Les gens qui ont créé le jeu ont créé une nouvelle fausse langue qui sonne comme une vraie langue pour les gens dans le jeu. C'est quelque chose, ça. Puis semblerait qu'il y a des... Je sais pas si c'est un site web de traduction ou un guide de traduction. Quand on regarde les vidéos, les annonces pour genre les gens de Hamburger pis tout, là, il y a du texte, ça c'est le langage qui est écrit comme tel. Donc, y a-t-il du monde ici en ligne? Non, y a pas personne ici en ligne. Soit qu'il y a un autre métro en avant de nous, qui est en train de ramasser tout le monde, ou y a pas personne qui veut prendre le métro. Hafu to mu on a hadi. Hafu to mu, j'ai aucune idée c'est quoi ça veut dire ça. Mais je suis certain que ça veut dire quelque chose. Ça devait vouloir dire « Veuillez dégager les portes ». C'est ça que la madame allait me dire à Montréal. « Veuillez dégager les portes, nous allons les fermer. » Le train étant à cause qu'il y a une porte qui est prise ouverte. Tasse-toi, personne qui bloque le train. Ça l'a dit zéro dessus l'écran, là, je sais pas pourquoi. Oh mon dieu, ça sonnait comme une explosion, ça. Il y a des lumières rouges. C'est super cool, j'aime vraiment ça, le fait qu'on a un métro. C'est caché. On pourrait, dans un futur temps, peut-être étirer ou agrandir les tunnels. Mettre des décorations, ce genre de choses-là, ça c'est vraiment, vraiment cool. Il y a pas personne ici qui attend non plus. Malgré le fait que ce soit vraiment cool, ça a pas l'air comme s'il y a personne qui prend notre métro. Je suis certain que ça va devenir populaire par contre, hein. Ça va juste prendre un petit peu de temps. On va voir c'est quoi qu'il va dire à ça. Ah, il a dit la même chose que tantôt. Ah, pis c'est vrai aussi, parce que c'est... C'est comme la station avec l'autre station, donc vraiment, elle devrait avoir le même nom. Quoi? 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Quoi? Non! Non, 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 non! Moi, j'étais prêt à terminer l'épisode, là. On est rendu à 4700 personnes. Il y a bien trop de monde dans mon parc. Pourquoi t'es explosé là, toi? C'est quoi cette affaire-là? Hatikala, arrête ça, Hatikala. Avance. Avance. Tasse-toi. Avance. Avance. Oh, je peux pas aller plus. Avance. Maudit jeu. Avance. Avance. Pourquoi t'es explosé ici? Ah oui. On va l'accélérer un petit peu pour qu'il se rende ici, comme si je peux voir exactement ce qui explose. Peut-être que la connexion que j'ai faite ici est pas bonne? Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Un petit peu, si je fais ça. Ça, ça n'a pas l'air normal, là. Le fait d'avoir deux... Un petit peu. Un petit peu. Enlève votre tunnel. Aha! Ok. C'est parce qu'il était... Parce que j'ai bâti la station. Puis il y a une taille minimum aux différents morceaux. Ça le fait que c'est tout mélangé. Donc ça c'est fait. On va faire done. Je peux-tu l'ouvrir maintenant? Non, faut refaire le test encore. Ben là, j'ai pas de patience pour ça là. On va faire en accéléré. Attends un peu. Accéléré! Go, 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 go! Puis là, il devrait parler super aigu. Comme un... Déjà pour dire comme un... C'est quoi là? Un chipmunk? Un écureuil? Do 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 go 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 go. C'est une différente personne qui conduit aussi. Go! Tantôt, je pense que c'était une madame. Ok, arrêtez-y. Ouais, à foutre au loup, tassez-vous. Des portes. Go 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 go. Oh, ouais, je veux l'ouvrir, je veux terminer l'épisode, puis l'ouvrir. Ça, je veux faire. Ok. Ok, sure. Pas foutre au loup, ouais. Ok, go go go. Et on sort. Ah là là. Voilà! Ok, cool! Yeah! Hadi Kaola, hein? Ok. On va ralentir le temps, puis je vais essayer de sortir d'ici. Comment je fais pour sortir d'ici? Et je vais sortir de la même façon que tout le monde rentrerait. Je vais l'ouvrir! Et voilà, c'est ouvert! Et je pense qu'on va terminer ça là pour aujourd'hui. Ça a été un épisode un petit peu étrange, un petit peu différente, ou différent, dépendant si l'épisode c'est masculin ou féminin. Quelqu'un, à un moment donné, m'a dit que l'épisode c'était masculin. Je pense que c'était Adrius, dans un enregistrement de... Arma 3. Donc, ouais, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Écoutez,
Moi, la semaine suite après que cette vidéo-ci sort, je m'en vais pour un voyage d'affaires. Donc, dimanche prochain, on va probablement pas pouvoir faire un Planet Coaster. Tout dépendant où ce que je suis, parce que je pense aussi que c'est la fête du travail, donc ça va être une longue fin de semaine. On va peut-être avoir un live. À moins que je suis vraiment pas capable de le faire, ça se peut que dimanche on fasse un live. Ça va être soit un live de Planet Coaster ou un live de Transport Tycoon, tout dépend. Non, merde, Transport Fever, j'arrête pas de me tromper avec les noms. Tout dépendant où ce qu'on est dans Transport Fever. Si j'ai le temps de publier tous les épisodes qu'on a enregistrés en avance, je pense que ça va juste pas donner, ça se peut qu'on décide qu'on s'amuse à faire un petit peu de Roller Coaster Tycoon. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires, je sais que j'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui. Ce que je veux vraiment faire, c'est essayer de commencer une conversation avec vous. Je veux savoir ce que vous pensez, je veux savoir c'est quoi vous voudriez faire. Cette chaîne, elle m'appartient autant qu'elle vous appartient. Qu'on s'amuse à faire quelque chose avec. C'est vraiment ça que je veux faire, puis je veux qu'on fasse quelque chose que tout le monde veut faire. Donc laissez-moi savoir, autrement, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir patienté au travers de mon blabla, mais hey, ça l'a valu la peine, parce que maintenant, on a un nouveau métro, et puis il n'y a pas personne qui veut prendre le métro. Il y a-tu seulement un train de ce mon métro? Toi ici, je fais ça. 2, 3, 4, s'il vous plaît. 4, 5... Ok, il y a 4 stations, on va faire 5 trains. Faut que je recommence le test. Mange la merde. Mange la merde. Pourquoi faut que je recommence le test? There's no complete station. De quoi tu parles? Il n'y a pas de complete station. Ok, 4 d'abord. Je sais pas c'est quoi un complete station. Tu me niaises là? Ah, ils sont pas au test. Ah. Bouh! Ok, ben on va arrêter là quand même. je vais, avant de sauvegarder, je vais terminer les tests. Oh, puis aussi, juste pour terminer vite, je vais mettre le parc sur Steam Workshop. Donc demain, si vous allez checker, vous allez voir sur Steam Workshop, vous pouvez le télécharger puis jouer. Il va y avoir 6000 personnes dedans. Donc si vous n'êtes pas capable de l'ouvrir, vous avez de la difficulté. En fait, peut-être que ce que je vais faire pour pas exploser vos ordinateurs, c'est que je vais remettre le 500 personnes. Parce qu'autrement, ça va être bien trop... Ben trop horrible pour vous qui avez des ordinateurs qui sont peut-être un petit peu moins puissants que la mienne. Ça va être bien trop difficile. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir patienté à travers mon blabla. Mais comme je disais, on va partir sur le test ici. Ça vaut la peine parce que on a un métro maintenant. Donc je rembarque dedans. Howdy Carla. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Ouh, on peut y aller de même. Ouh, comme ça aussi. Attends un petit peu, comme ça. Et puis je vous dis... À la prochaine. Oui.